Indira en pio sans maquillage, Miss 2023 méconnaissable, des photos dévoilées. Le 17 décembre 2022, Indira en pio, Miss Guadeloupe, est devenue Miss France 2023. La jeune femme de 18 ans était la favorite du jury et des téléspectateurs. « Je ne réalise toujours pas. Je vis vraiment un rêve éveillé », a-t-elle confié une fois la couronne sur la tête. La remplaçante de Diane Lair vit aussi le rêve de sa maman qui elle aussi a été Miss en 1998. Elle était arrivée première dauphine de Miss Guadeloupe. Quant à son papa, il est son premier fan. Dans les coulisses de l'élection qui se sont déroulées en direct de la salle de spectacle d'OM. À chemin 36 situé dans la ville de Déols, au nord de Châteauroux, en région Centre-Val de Loire. Didier, le papa d'Indira en pio, n'a pas caché son bonheur. « Ma fille est Miss France » a-t-il posté sur son compte Instagram en légende de selfie avec sa fille devenue la reine de beauté de tout un pays. Stylo Diva place holdé à 1 et à 1, 8 300 px, minimum et 250 px, at media screen end, minimum 8 990 px, div. A place holdé à 1 et à 1, 8 620 px, minimum et 350 px, style. Depuis le 14 juillet, il fait d'ailleurs campagne pour sa fille sur les réseaux sociaux et encourage ses 397 followers à voter pour elle. Mais quand on remonte dans le temps de ses publications, le papa poste aussi des photos d'une rare valeur, des images de sa fille au naturel. Stylo Diva place holdé à 1 et à 2, 8 300 px, minimum et 250 px, at media screen end, minimum 8 990 px, div. A place holdé à 1 et à 2, 8 620 px, minimum et 350 px, style. Devenue Miss France, Indira en pio ne se dévoilera plus sans être apprêtée, voilà pourquoi ces images sont rares. Ainsi, Didier en pio a dévoilé une photo de sa fille datant de 2021 où elle se présente sans maquillage. Un cliché pris avec tout le naturel du monde qui montre à quoi ressemble vraiment la jeune femme. Plus loin encore, en 2018, on voit Indira et son visage d'adolescente prendre la pose avec un jeune homme qui pourrait être son frère. Avec son visage de poupée et son jeune âge, on pourrait avoir tendance à penser qu'elle est encore un peu jeune pour endosser un rôle aussi important que celui de Miss France. Mais que nanny! Sûrement déjà bien préparée par sa mère à ce qui l'attend, Indira en pio est surtout très consciente de ses devoirs et sait ce qu'elle veut. L'étudiante en communication qui a mis ses études entre parenthèses afin de se consacrer pleinement à cette aventure avait déclaré. Le soir de son élection en juillet dernier. « J'ai la volonté de réussir, le dessein de représenter notre belle île et j'ai la conscience des responsabilités. » Voilà qui est dit. On lui souhaite un joli règne.